Et ça va aller jusqu'à Doucet. Capitaine envoie ça mollement. Jusqu'à l'autre bout, les tics vont être 0 en 1. Jeu de puissance, donc une première mission bien réalisée pour Valdor. Et la rondelle est libre. Guy Semaine. Oh, de peu du revers. Retour. Mentionner que, alors qu'on voit la séquence de tantôt, c'est une remise du défenseur pour son coéquipier derrière le filet qui était Warren. Ça a frappé l'extérieur du filet. Et ça, c'est l'autre séquence où Alexandre Guy s'est amené avec un bon tir, mais ça a été bloqué en défensive et la chance. Simplement faire glisser jusqu'à Daigle qui va jouer la rondelle. Il n'est pas nerveux, Daigle, dans non. Le filet. Et là, revirement. Et Veilleux seul. Oh, l'arrêt de Daigle à bout portant. Le but des Patis était ouvert. L'essai avec Durocher. Hier, c'est Gaudio qui complétait le trio. Et longue échappée de Lavigne, ça mène seul. Et il est rattrapé, c'est l'arrêt de Blackburn. Donc, Despaty, beau repli. Vous allez voir, là, ça bouge rapidement. On passe presque à trois zones et on a tenté de surprendre la partie supérieure du revers. Bel arrêt de Blackburn et beau repli, là, je l'ai mentionné tantôt, de Evan Despaty. C'est gagné par Valdor et la remise de Veilleux était bondissante et entre les deux défenseurs. Coup de hache sur Despaty qui poursuit son chemin. Veut déborder son couvreur. Remet devant Brisson, le but! Nathan Brisson! 1-0 et il pleut à Valdor! C'est le genre de truc que tu veux voir. Regardez bien la séquence. Le défenseur avec de la vitesse va s'amener côté droit dans le territoire des Tigres. Et on va être en mesure là, de contourner le défenseur et de faire une belle passe à Brisson. Gardez Despaty, s'amène avec vitesse. Il sait, le 72 juste à côté, on redirige sur réception. La parade, mais ce que je dis, c'est que c'est une équipe qui est probablement sortie de sa torpeur, là, de la zone où ça a été plus tough, et qui est prête à faire des dégâts. Et Guy prend le rondelle libre. Un tir, ça a été amorti, retour. Doucet, et le but! Capitaine Doucet, son troisième en deux matchs. 2-0 Valdor. Ce n'est pas la première fois dans le match aujourd'hui que les Tigres cafouillent en sortie de zone. On n'est pas en mesure de compléter les breakouts de la bonne façon. Et gardez ça, un autre exemple, le tir de Guy, malheureusement pour lui, pas capable d'y mettre la gomme, mais ça demeure accessible et c'est le capitaine qui finalise le travail. Exactement. Guy passe, ça lui revient. Une feinte. Va prendre un tir. Tout le monde pensait qu'il était pour passer. Cet amené est venu menacer la cage. Et là, drapeau est ouvert. Drapeau, un tir. Dans la mitaine du gardien d'Aigle. Très belle séquence des foreurs. Sais-tu ce que je trouve, François? Vas-y. Les foreurs donnent l'impression de juste être relax et faire les choses. C'est avec bon pour pas de vin. Ça mène, prend un tir. Ça rate la cible. Attention, retour de la rampe. Ça va aller à Pilote. Rejette dans le fond, vers Potvin. Il voulait passer vers Veilleux, mais il était bien couvert. Veilleux, seul et l'arrêt à bout portant. Quelle passe de Potvin! Quelle passe et quelle belle façon, le jeune Veilleux. Regardez ça de toute beauté. Regardez-le, Veilleux se blottit derrière. Quel arrêt, wow! Potvin a réussi à déjouer tout le monde, sauf le gardien. Regardez tout le monde qui s'en va avec lui en arrière du but. Aïe, aïe, aïe! Être un peu trop généreux sur cette séquence. À 2-0, on est capable de le prendre. Absolument. Lagacé rate son jeu, reprend. Passe vers Pilote qui est ouvert, un tir. C'est le but, le but! Ça dévie sur Alexandre Guy. 3-0. Une redirection. Bien fait, beau travail. Et le sniper des Foreurs avec son 11e cette saison. Est-ce que je calcule bien? Peut-être 10, mais ça ne va pas s'il devait la passer. À Barry, s'amener lui-même. Finalement, le temps qu'il fait la décision, c'est un 2 contre 1. Il n'y a rien à faire, tu sais, pas de retour. Ça a l'air facile pour Black. Black is back! Écoute, t'as pas la même game qu'à 4-0. C'est tout pareil. Et là, dans le filet, c'est le but! Émile Desjardins, il sort du coin comme une balle! Passé supérieur! Il est là, le 4-0! Son premier de la saison! Émile Desjardins, celui qu'on peut... On peut lui demander bien des affaires et là, il complète le travail du revers dans le haut du filet. Gardien compromis dès la mise en jeu. Beau travail là-dessus. Tente un tir en angle, tente peut-être un coup de bière. On n'a pas de réponse à William Blackburn pour l'instant. 2 contre 1, Doucet avec Barry. Doucet,
C'est bloqué par Degg, il n'y aura pas de retour. Ah oui, absolument. Je suis juste lancé en deuxième, mais justement, des fois, c'est plus dur. Il n'a tellement pas vu de lancer pendant longtemps. Ben oui, clairement. Et des pratiques, puis des entraînements. Je le sais que c'est important. Le chef contre-attaque, il y a quatre Tigres. C'est mené par Cormier à Pellerin. Pellerin pour Warren. Un tir dans la mitaine. Facile pour Black. Était dans la zone des brises, celle-là. On sort à deux reprises. Et là, on voit le 4 contre 2. On s'échange la rondelle trois fois. Et le release de l'équipe de tête. Donc, c'est sûr que ça crée ce que ça crée, effectivement. Et là, il y a un revirement. Bussière va s'amener un tir. Le but entre les jambières de Blackburn. Blackburn s'en veut. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à un tir. Il s'attendait à un déjou, comme on dit. Et c'est 4-1. Ouais. On a joué de malchance là, du côté des Foreurs. On a gagné la mise en jeu. Mais la passe vers des bâtis, là qui n'était pas à plat sur la patinoire. C'est passé par-dessus la lame de son bâton et au retour de la rampe. T'sais. Quand tu dis que c'était comme ça... Prichepov, on cherche la rose un peu plus bas, là, qui n'est pas sur son côté fort cependant. Prichepov, une fête. Remet devant. Et c'est bloqué en défensive par Drapeau. Je pense, sans me tromper, qu'elle était dedans. Si Drapeau n'est pas là. Oh, boboy, tellement. On va voir la séquence. Vous l'avez nulle part sur la feuille de match. Ça c'est le jeu qui a sauvé Drapeau. Oui. Deux tirs bloqués. Là celui-là, ce sera pour Émile. Ah non, ça, c'est le block shot de lancer bloqué. Ça a été un peu plus laborieux. Une diagonale de Tsibulka. Et avec un peu plus de 6 minutes à faire, là, je m'attends à ce qu'on prenne des chances. C'est de Warren, retour. Et bloqué, je pense, par Tsibulka. Et sauver les meubles. Et là, Mainville conserve chez l'ennemi. Passe à travers deux Foreurs et lance dans la foule. Matché à la première unité des Tigres. Alors qu'on revoit justement cette chance de match. Prichepov va remettre à Gourionov, c'est bien malgré lui. Le gardien n'a jamais bougé là, chez les Tigres. Ah, belle passe dans l'enclave. L'arrêt de Blackburn, miraculeux deux fois. Aïe, aïe, aïe. Et là, Vigneault s'amène, vous le savez. Le Phoenix de Sherbrooke sera du côté domicile des Foreurs. Boussa perd sa mise en jeu devant Pellerin. Yacenza voulait lancer ce ravise vers combien de buts? Modèle qui était tout juste à l'intérieur du poteau et ça fait 4-2. Donc, dès la mise en jeu, on remporte et on s'échange. On est en mesure de surprendre, dans le fond, la défensive valdorienne. Un bon tir de Cormier. Regardez ça, ça s'est déroulé quand même rapidement à la hauteur du cercle. Et on a battu Blackburn dans le haut du filet. Clairement remporté cette mise en jeu, ça n'a pas été au prix de temps. Je peux te confirmer, ouais. Je regarde sa face, c'est lui qui l'a bloqué. Ça fait mal un disque gelé. C'est bloqué, quel déplacement! Black is back! Wow! Regardez! En séries éliminatoires, ça me rappelle quand je vois des... je pense que c'est vers là.